sont venus nous accompagner pour l'accueil chaleureux que nous avons réservé pour nos partenaires leaders Meninos et Bassembo Diandi. Meninos a fait beaucoup de réalisations pour Bassembo. Nous tenons vraiment à les remercier infiniment pour toutes les bonnes actions qu'ils ont eu à entreprendre pour cette école. Ils nous ont fait un jardin potager, une pompe à l'appui, mais seulement c'est le sol qui n'était pas du tout riche. Ils ont, comme autre réalisation, ils nous ont fait des toilettes flambant neuves qu'ils ont inaugurées eux-mêmes. Ils avaient même prévu de nous faire un réfectoire dans cet établissement. Voilà que cette année encore, pendant l'hivernage, ils ont envoyé de l'argent pour faire réfectionner encore la bibliothèque. Ils ambitionnent encore de nous construire 3 salles de classe. Sincèrement, leurs réalisations vont crescendo. On ne peut pas ne pas, les mots nous manquent très sincèrement, pour les remercier infiniment. Surtout la cantine, n'en parlons pas, la cantine, ils jagissent. Les parents, les enfants trouvent même le goût de rester et d'étudier à l'école. Les résultats, ça joue même sur les résultats. Très sincèrement, on est très satisfait, très heureux de Meninos qui font très sincèrement de très bonnes actions à l'endroit de leur école, Bassembo Diandi. Très sincèrement, mes collègues se joignent à moi pour les remercier infiniment. Voilà les quelques mots que j'avais à placer à l'endroit de l'association Meninos de Bassembo. Leur souhaiter une très longue vie, une très longue vie. Et vraiment que les choses continuent à aller de l'avant. Remercier vraiment pour cet accueil. Nous, on aime bien les choses assez vivantes, quelque chose. Alors, simple, là, c'est quand même beaucoup, mais ça reste simple avec les enfants et ça nous convient totalement. Voilà, et moi aussi, je tiens à remercier tout le monde, autant les gens, l'équipe, notre association sur Annecy, la plupart sont déjà venus ici, et d'autres, je pense que dans les prochaines années, viendront également. Également, on va bientôt faire, dans un mois pile, on va faire une soirée dansante à Annecy. Et je tiens aussi à remercier, on a besoin des gens. Alors après, on va diffuser la vidéo et on a besoin des gens qui viennent à nos soirées à Annecy pour recueillir des fonds, qui nous donnent de l'argent pour les enfants à l'entrée. On a nos amis qui étaient venus l'année passée. Nos amis qui viennent de Bretagne. En Bretagne, la spécialité, c'est les crêpes. Ils vont venir faire des crêpes, les vendre pour les enfants. Donc, on a besoin aussi que les gens viennent à nos soirées. On vous enverra des vidéos et voilà, pour recueillir l'argent. Et puis, on a besoin aussi, donc il y a ce groupe WhatsApp qu'on a fait, d'échanger ensemble pour recueillir les besoins hors la cantine. Hein. Alors, on n'a pas des moyens étendus, mais c'est bien d'échanger pour savoir, pour connaître les besoins, pour décider ensemble. Ici, je suis chez moi, je suis vraiment chez moi. Les hommes que je vois, les femmes que je croise, m'appellent le fils et les enfants le... Tout simplement pour dire que nous sommes très heureux de venir rendre visite aux enfants de l'école, à l'équipe pédagogique, aux femmes qui font la cuisine. Et remercier aussi l'équipe de Meninos di Bassembo de Annecy, sans qui rien ne serait possible. Nous avons un engagement assez important pour tenir des actions, quelques actions qui ont été faites depuis la création de l'association. Donc Evelyne les a rappelées, c'est la création des toilettes, les bibliothèques scolaires, la salle informatique, un jardin potager. Et l'action la plus importante et qui nous tient vraiment à cœur comme beaucoup d'autres, c'est la cantine scolaire, c'est-à-dire donner à manger aux enfants pour qu'ils évitent de parcourir des kilomètres à midi pour aller manger chez eux et revenir très très fatigués. Ceci se fait parce que l'équipe d'ici aussi est très engagée dans ce sens c'est les femmes qui font la cuisine qui
servent à manger aux enfants, et ceci est très important et nous sommes vraiment très très satisfaits de cela. Nous voulons vraiment continuer cet engagement et nous demandons à toutes les personnes qui sont volontaires pour nous aider dans ce sens de se faire connaître, de ne pas hésiter. Et ceci, ce sera pour les enfants. Donc, comme les enfants, c'est le futur, c'est l'avenir. Nous sommes très heureux de faire cela pour eux. Ce qui est important, c'est vrai que les femmes qui font la cuisine, bah, leur rôle est vraiment essentiel. Nous, on apporte l'argent, certes, mais sans elles, eh bien, ça ne serait pas possible non plus. Donc, on les remercie chaleureusement. Et nous avons eu un accueil chaleureux, extraordinaire de la part des enfants. Cet accueil vraiment nous va vraiment au cœur et nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui.